Bien salut à tous les amis, c'est Virtueux, j'espère vraiment que vous pétez la forme. Écoutez, aujourd'hui on se retrouve sur GTA 5 PC. On est actuellement dans la mission La Petite Chérie à son papa. Et du coup vous avez été très nombreux à me le demander dans l'espace commentaire de ma dernière vidéo. C'est de retirer l'eau de la mer et de voir ce qui va se passer, comment on va devoir atteindre le yacht, comment le yacht va rester sur place et surtout comment on va réussir à s'enfuir avec les jet skis. J'espère en tout cas que cette petite vidéo, ce petit test va vous plaire. Si c'est le cas, comme d'habitude, vous n'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu, ça me ferait extrêmement plaisir, et à me donner d'autres idées de tests à faire dans l'espace commentaire, tout ce qui vous vient par la tête, un truc où vous voulez que je retire l'eau, vous me donnez le nom de la mission, ou même si vous avez autre chose en tête, faites-le moi savoir. J'ai envie de réaliser le plus grand de vos rêves sur GTA 5 grâce au mod. Et du coup bah, on est parti, on va faire la petite course tranquillou. On va tracer un petit peu Jimmy. Ok, donc c'est bon, on va tracer Jimmy. On va faire la course très rapidement parce que j'ai peur que ça bug si jamais je me téléporte. Quoique attendez, je peux me téléporter. Je vais pas me téléporter au bout, hop, ici. N'oubliez pas aussi de rejoindre ma chaîne secondaire dédiée à Fortnite si jamais vous aimez bien ce jeu, etc. Je suis très très souvent en live sur le mode Battle Royale. Et vous êtes assez nombreux à me suivre sur le live. Ça fait super plaisir. Je tiens vraiment à vous remercier. On a passé le cap des 6000 abonnés et tout. Ça fait super plaisir. Bref, on est enfin arrivé à destination. Michael and Jimmy. Voilà, Jimmy est complètement KO. Jimmy, il est pas bien là. Ok, donc j'ai pu déjà voir ce qui se passait au loin. C'est que le yacht est complètement buggé. Hein. Le yacht est actuellement en train de flotter dans les airs, hein, concrètement. Je sais pas comment je vais réussir à... Michael, saute pas! Oh, ça aurait pu... Attendez, ce qu'on va faire, c'est que... Attendez, on va voir ce qui va se passer. Si je tue Michael, donc attendez, je tue Michael. Ok, est-ce que je suis invincible? Attendez, on va laisser Michael mourir. Et regardez ce qu'on va faire. Hop. Je retire le feu, normalement tu vas continuer à brûler. Brûle, Michael. Brûle. Brûle, Michael, je ne veux plus te voir. Brûle! Non, Michael ne veut pas brûler. Attendez, un dernier petit coup, hop. Hop là, non, toujours pas. C'est bon. Ok, donc j'ai réussi à retirer. J'ai pas pensé avant, mais on va laisser Michael sauter dans l'eau. Parce que normalement la cinématique nous force à sauter dans l'eau. On va voir ce qui va se passer quand il va sauter dans l'eau. Ah non! Oh mais je pensais la cinématique elle nous faisait sauter dans l'eau. Ok, donc nager jusqu'au yacht. YOLO! Je suis en parachute. Y'a pas d'eau, comment je vais atteindre le yacht vol. Le yacht vol, bon ça je vous l'avais dit. Le yacht vol, alors là c'est une autre histoire. Comment je vais réussir à atteindre la destination, sérieux? Comment est-ce que je vais réussir à atteindre cette foutue destination? Ok, donc les personnes sont bien sur le yacht, hein, voilà, donc il n'y a pas d'eau. Mais eux, ils sont quand même sur un yacht, hein. À noter que c'est très particulier, je peux pas déplacer le yacht par contre. C'est l'une des seules choses que je ne peux pas faire. Donc le yacht est bien programmé pour rester vraiment... à cette distance là, ce qui est assez remarquable, hein, ce qui est assez drôle d'ailleurs. Regardez-moi un petit peu ce yacht. Yacht qui est actuellement au-dessus de l'eau. Enfin, au-dessus de la mer, sans eau quoi. C'est comme une tarte aux pommes sans pommes quoi. C'est un peu le même délire. Donc du coup, on va quand même atteindre notre destination. On va voir ce qui va se passer parce qu'il y a encore d'autres choses après. Donc ma manette fait que de bugger, je sais pas ce qui se passe, ça m'énerve vraiment. Donc si jamais vous entendez le bruit de la manette qui se connecte et qui se déconnecte et tout, je suis vraiment désolé. En plus des problèmes de graphisme et de bugs que j'ai sur le jeu, j'ai ma manette qui bug et ça c'est le truc le plus relou. Donc je sais pas quoi faire, j'ai du mal à régler le souci, on va dire. Là je me serais bien vu sur Fortnite, voilà, j'appuie sur rond, hop hop hop, escalier, 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 hop hop hop, voilà qui est fait. Et au final, bah je peux pas, je suis arrivé en bas. J'ai l'impression d'être vraiment une petite fourmi et que le monde est grand. C'est dingue ça, on dirait vraiment qu'on est une petite fourmi et que le monde est vraiment gigantesque. Alors qu'en réalité, bah en fait, on est à taille humaine. Et c'est juste que. Bah, c'est juste énorme en fait. Mais je pensais pas que c'était aussi gros quoi, les coraux et tout. C'est assez immense. Bon, j'arrive pas à monter, écoutez. J'arrive pas à monter, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je suis où? Michael, t'es là. On va le mettre sous le yacht. Est-ce que ça va faire quelque chose si je le mets sous le yacht? Bah, écoutez, les amis, je suis sur le point. Je suis actuellement sur le point, mais ça n'a pas l'air de changer grand-chose. Eh oh! Eh oh, vous m'entendez? Eh oh! Excellent! Moi, bah, a priori, je vais pas réussir à monter sur le yacht de manière tout à fait correcte. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais je ne sais. Oh, et en plus, il y a les reflets de l'eau, mais c'est excellent! Il y a des reflets de l'eau sans eau. C'est comme une tarte aux pommes ou une tarte aux prunes sans prunes.
Voilà, c'est à peu près le même délire. Ah, mais c'est dingue! C'est n'importe quoi! C'est n'importe quoi. Bon. Bon. On va passer un petit peu aux choses sérieuses. On va voir ce qui va se passer quand je vais arriver sur le yacht. Voilà qui est fait. Vas-y, Michael, va foutre la merde dans la fête. Voilà. Attendez, je suis pas. Mais je suis censé arriver de quel côté? Parce que là, j'ai l'impression que la mission elle a bugué. C'est moi la mission elle a bugué? On est bien censé arriver de ce côté-là? Bon, je crois que la mission elle a bugué. Hein. Je crois que la mission elle a bugué, donc on va se suicider! Genre! Michael a développé des super pouvoirs, les amis! Il nous a fait un méga jump! Oh, mais c'est excellent ça! Il nous a créé un méga jump! Du coup, je trouve ça plutôt cool en fait. Je trouve ça vraiment très très cool. Ok, donc on va tuer Michael pour refaire la mission parce qu'apparemment ça a bugué, donc je vais me téléporter directement sur le yacht parce que j'ai pas le choix apparemment. Le fait de me retrouver sous le yacht, ça a tout fait bugger. Non. Papa, fais pas le con. Ouais, t'as raison, Jimmy, pour une fois. T'es pas si con que ça, toi. Par contre, toi, je te verrais bien. Attends, il est où, Jimmy? Jimmy. Là. Oh merde! Vous avez blessé Jimmy, mais j'ai rien fait! C'est pas moi! Je vous le jure, c'est pas moi. Bref. Papa, non, arrête. Par contre, on s'est jamais posé la question de ce que foutait Jimmy une fois qu'on était parti. Faudra peut-être qu'on voit ça dans une prochaine vidéo. Bref, on va pas voir ça maintenant. Ah, ma manette qui bug! Ok, donc Michael n'est pas mort. Si Michael est mort. Non. Bah si Michael est mort, mais non, mais c'est ma manette qui bug! C'est relou! C'est relou, je suis désolé les gars. Non, je ne veux pas passer, moi je veux faire la mission. Ok, donc on espère que ça va pas bugger. Voilà, c'est bon. Ça va pas bugger. Hop là. Voilà qui est fait. Donc on va rejoindre le yacht. Voilà qui est fait. Ouais, et après. Bah c'est bon, je suis là les gars. Oh! Hey! Oh! Hey oh! Hey, je suis là! Je crois que ça a bugué. Oh non, ça a bugué! Mais non! Allez mec, je l'ai tapé tout et il veut se battre contre moi! Allez, tiens! Voilà. Oh, bah il est mort dans une position très particulière, dis donc, le bonhomme. Et en plus, la meuf, elle est en train de lui toucher. Ah, c'est excellent. Ok, bah merde. Merde. Écoutez, la mission, elle est pas passée, donc attendez, je vais me suicider. Et je vais faire passer, en fait. Peut-être que si je fais passer, la cinématique va se lancer automatiquement. Je sais pas ce qui fait bugger, peut-être un mode que j'ai installé et que du coup bah ça passe pas. Je sais pas. J'espère qu'ils vont pas nous ramener sur le yacht et ils vont nous dire de marcher parce que sinon ça va pas marcher du tout. Hein. En espérant que c'est pas bugué non plus ici sur l'écran de chargement noir. Parce que si ça a bugué sur l'écran de chargement noir, ça risque d'être un peu compliqué là. Mais il me semble bien que ça a bugué. Oh putain de merde. Ça a bugué quoi. Ça a bugué. Non, ça a bugué. Bon, laissez tomber, ça a bugué. Je vais relancer le jeu. Ok, bon, bah écoutez, je suis vraiment désolé, mais il n'y aura pas moyen de pouvoir terminer la mission de la petite chérie à son papa. Donc, on pourra pas voir ce qui va se passer après la cinématique quand ils vont sauter dans l'eau et j'en passe. Et on pourra même pas s'enfuir en jet ski, puisqu'apparemment, j'ai supprimé tous les modes. Il reste que le mode qui retire l'eau. Et du coup, bah, j'en conclus que c'est juste le mode qui retire l'eau. Qui fait que bah, la mission ne veut pas se réaliser, ne veut pas se lancer. Peut-être d'une part parce que le jeu a peut-être compris que l'eau avait disparu. Et du coup bah, il devait y avoir une cinématique au moment où on lance la personne dans l'eau. Et du coup bah, ça fait que ça fonctionne pas. Du coup malheureusement je suis obligé de vous laisser sur ça. J'avais quand même envie de vous le montrer puisque vous étiez nombreux à me le demander. On a pu voir certaines choses par rapport à l'eau machin. Même s'il n'y a pas eu des trucs assez extraordinaires comparé au dernier test. J'espère quand même que ça vous aura fait plaisir. Si c'est le cas comme d'habitude, n'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu. Vous abonner à ma chaîne. Restez d'actualité parce que des fois je upload des vidéos de 1 minute pour vous dire que je suis en live sur ma chaîne secondaire. Je sais que ça fait chier certaines personnes. Mais c'est juste parce que bah, il faut que je fasse une petite annonce pour
vous puissiez venir voir, parce que sur ma chaîne secondaire, j'ai pas forcément beaucoup d'abonnés. Du coup, peut-être que vous qui allez tomber sur ce live, peut-être que vous allez kiffer. Du coup, peut-être que vous allez rester. Enfin bref, vous m'avez compris. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était Virtuos et moi je vous dis à la prochaine. Allez, bye tout le monde.